à toutes et à tous, aujourd'hui petite nouvelle map aventure, une immense map aventure qui nous attend. Donc quelques épisodes qui vont suivre sur cette map aventure. Cette map aventure s'appelle Ocarina of Craft, donc comme vous le devinez c'est une map de Zelda. C'est pour vous faire patienter pendant que ma série Zelda est en pause. Comme ça on a une map aventure Zelda, c'est encore mieux. Enfin c'est encore mieux, non mais c'est déjà ça. Donc cette map a été faite par 05 Skyriad, j'espère que je le dis bien. 05 Kyriad, pardon. Ouais, Skyriad, ou Skyriad. Enfin, voilà. Et donc, bref, cette map a été faite par lui. Et donc, on va se retrouver du coup sur une map Zelda en dernière version, 1.4.6, elle a été faite, je crois. Et donc, avec des blocs, avec des command blocks. Ça peut être pratique, hein. Et oui, je me suis déjà fait attaquer au début. What? Ah oui, j'ai faim. J'allais oublier. Bref, dans cette map aventure, il y a un pack de textures qui va avec et tout. Et donc on peut récupérer des rubis en cassant des feuilles. Ça, j'ai adoré le principe. On peut récupérer des rubis. Donc hop, aïe. Je sais pas si on peut... Non, on peut pas là. Enfin bref. Donc je vais vous lire les règles et essayer de partir. Donc ça fait la deuxième fois que je le fais. La première fois, j'ai eu un petit problème avec les droits d'auteur parce que j'avais mis en musique de fond la musique de Zelda. Je croyais qu'elle était libre mais en fait non. Donc c'est pas grave, on va recommencer. Donc j'étais pas arrivé bien loin. Du coup ne vous étonnez pas si je connais déjà le truc, hein. Mais bon, déjà à partir du deuxième épisode ça ira mieux. Bon bref, hey Link, j'ai appris que le vénérable arbre Mojo voulait te voir. Va lui rendre visite. Il se trouve tout en bas du village dans le tunnel en bois. J'aimerais avoir autant de chance que toi. Ça pourrait être le jour où tu recevras ta fée. Moi je m'en souviendrai toujours. Règle, ne pas casser, guiver et tricher. Lire les panneaux. Récolter le plus de rubis. Les rubis verts valent 1, les bleus 5 et les rouges 20. Visiter les recoins de la map. Vous pouvez casser de l'herbe pour en obtenir des rubis. Voilà. Donc si vous obtenez un arc ou une épée, quand vous tuez un mob, jetez cela pour poser problème. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de mobs et bon. Ah oui, je suis même en peaceful, ça va pas le faire. Comment se fait qu'il y a un mob en peaceful? On va pas chercher à comprendre. Hop. Oh, tu m'as pas vu, ninja. N'oubliez pas de récupérer les rubis avec les herbes. Tac, mais ça là. Herbie. Il y a une maison. Hop, hop. Allez, on continue. Ninja. Aïe. Saleté. J'ai mal maintenant. Ah, oh, j'ai des flèches dans la tête. Saute sur toutes les pierres. Saute sur toutes les pierres et vous passerez une bonne journée. Oh. Cool. Casse les tableaux pour récupérer des items. Là, il aurait pas pu le dire avant, là-bas il y en a un bleu. Hop, ça j'en ai pas besoin. Nul. Est-ce que j'arriverai à remonter par là? Ça vaut 5. Ah non, encore des rubis. J'aime bien le décor, il est sympa. Donc là c'est la porte du donjon, mais on n'a pas encore la clé. Donc on va aller chercher la clé. C'est parti. On va aller voir Mojo. Hop, hop. Donc là c'est la musique. Okay. Zombie derrière. Bref, là c'est la musique du... Bon, on peut pas dire du jeu, mais elle est à répétition, donc je l'enlèverai juste après. Donc je serai obligé de casser parce que c'est vraiment saoulant. On peut pas l'enlever. Donc je vais la mettre quand même un petit peu. Arbre Mojo, bienvenue à toi, héros du temple. Du temple. Il est temps pour toi d'accomplir ta noble quête. Ganon, je n'arrive jamais à savoir. Rassemble ses troupes dans l'ombre pour prendre le contrôle.
d'Hyrule et volé la Triforce. Il m'a jeté un sort qui m'affaiblit petit à petit. Je te confie cette fée, Navi, qui t'accompagnera dans ta noble quête. Elle te sera d'une grande aide. Je cache dans mes souterrains un objet qui te sera utile. Malheureusement, Ganon ou Ganon les a infestés d'araignées. Fais vite, héros du temps, j'ai confiance en toi. Vous voyez, cette musique se répète à chaque fois, donc c'est un peu embêtant. J'ai juste allé la couper. En plus, il y a des monstres. Oh punaise. Bon, le creeper fait pas de dégâts, ce qui est pratique. Enfin, il fait des dégâts à nous-mêmes, mais il casse rien. Voilà. Ça, je te répète sans cesse. C'est un peu lourd à la fin. On remonte. Hop, petit parcours d'obstacles. Oh, non. Y'a un creeper, salut. On voit le corps. Le corps de l'arbre. Hop là. On pourrait passer par là. Ce serait plus rapide. Ah non, ça marche pas. On va passer par là. Un coffre. Et Apple fait de la pub. Les derniers m'en veulent, et ben tu pourras pas. Plongeons. On va s'en sortir. Voilà. Oh hop, t'as rien vu. Sérieux. Voilà. C'est parti, un petit stage de saut. Hop. Donc à force de faire des maps aventures avec des sauts, je commence à m'y habituer. Je parle trop vite encore. Creeper, méchant. Méchant creepy. Voilà. Ils sont bizarres les sauts. Ah, bref. Et une ladder, yeah, une échelle. Cool. Ah non, j'ai oublié de mettre mon armure. Pff. Hop. Hop. Maintenant je ressemble à Link, yeah. Enfin, si on peut dire. Non. M'en fous, tu m'auras pas. Ah, dans mon aventure précédente que j'avais déjà commencé, il y avait plus d'araignées que ça. C'est de l'arnaque. Alors hop, on monte, on va là-bas. Une épée. Épée Kokiri. Oui, l'enchanté en quoi. En Schwart et en Schmitt. Ouais, pff, téléportation. C'est bien les grands blocs. Petite épée. Oups. Et du coup on peut aller ouvrir le donjon. J'ai pas regardé, c'est combien de temps qu'on est là, mais bon. C'est pas grave. Donc le donjon est en haut, je vais passer par là. On va être plus rapide. Aïe. Ah, je sais pas si je serai plus lent plutôt. Non, on y go alors, tant pis. Enfin tant pis, let's go. Navi, hey Link, fais attention. Ici il y a de nombreux monstres. L'arbre Mojo m'a dit que la première étape de ton aventure se trouve dans le temple de la forêt. Ok. Squelette avec une armure en or. Waouh. Tu m'auras pas. Non. Oh creeper. Tu exploses sur eux. T'aurais pu exploser sur eux, merde. Battez-vous. Y'en a des monstres, hein, punaise.
C'est énorme tout ça. Enfin bref, Navi, il faudrait un objet pour le bouger. Oh, moi je dis une canne à pêche. On continue. Vous voyez sur les épées maintenant il n'y a plus de barre d'utilisation, ils peuvent plus se casser. C'est bizarre. Temple de la forêt. Navi. cette pierre en face est étrange. On pourrait l'atteindre avec un objet, je pense. Fait de fois que tu le dis, qu'on pourrait l'atteindre avec un objet. J'ai mangé tout le gâteau. Revoir. Hop là. Oh. Donc ouais, désolé pour l'énigme, mais j'avais déjà fait celle-là. J'ai cherché un petit moment. Donc, oh, le bug. Une map, une carte qui permettra de vous repérer. Et une boussole qui permet... Une boussole pour vous repérer, dans le donjon. Comment on peut se repérer dans le donjon avec une boussole? Enfin bref. Et on saute, plouf. Hop là. Hop là. Ah, le piège subtil. Mais merde. Piège subtil, je me le prends moi. Un arbre. On va ranger ça là. Hop. Pouf. Voilà, l'arbre on le met ici. On fait ça. Doudoudoudou. Boum. Tac tac. Je sais pas à quoi ça sert ça. Instant heal là-bas, voilà. c'est des pommes. C'est grand la map hein. Enfin grand, immense, immense. Voilà. Navi, voilà une orbe de téléportation. Inutilisable, elle n'est utilisable qu'une seule fois. Et un cœur. Réceptacle de cœur. Bonjour. Normalement, non, on va pas, c'est jamais. C'est parti, wow. Ok, Joe. Ah, boum. Hop. Je vois toujours que je peux y arriver sans courir. Moi. Hop. C'est pas possible! Oh mon dieu! J'ai perdu mon épée! C'est bon. Je l'ai lâché. Oh mais quel idiot! Bordel! Et voilà! Ta-na-na-na! J'ai une ouh! Ouh! Et je vais faire quoi avec une ouh, je sais pas. J'ai une ouh. Je peux même pas remonter. Ça va poser problème ça. Je fais comment alors? Attendez, on va retourner là-bas. Il y a peut-être autre chose. Non, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une houe en bois? Je sais jamais. What? Putain, je suis trop intelligent. J'attendais pas à faire ça. C'est sympa le système. Moi je le connais. Moi je dirais orbe de téléportation. Waouh. Ça fait mal. Trop bien. Bon bah on continue.
Il y a un monstre. Ah non. Vous obtenez grappin. C'est quoi ça? Ah c'est bon, tu l'as déjà dit une fois. Ah oui, c'est la canne à pêche. Ah ouais. Génial, ce grappin permettra de tirer des objets, d'activer certains interrupteurs à distance et de pêcher. Il a bien fait son truc hein. Et voilà. On va se quitter sur ce premier temple qui était ma foi très sympa. Hop là, c'est bon, j'ai réussi. Donc je vous remercie d'avoir regardé. Si vous aimez, dites-le moi. Ça je serai au courant et tout. Et donc voilà. Donc on se retrouve du coup pour le prochain temple. Dans le prochain épisode. Hop. Je vais juste aller ouvrir la porte. Oula. Un creepy. Dégage. Ça fait trop peur le truc. J'aime pas du tout ce nom. Enfin bref, voilà. Allez, ciao ciao, bye bye tout le monde. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Oh. Et ça se forme tout seul. Ça bouge. What the fuck. Allez, au revoir.